Befehl, mein Führer. Bonjour, les Bakwa Kolanda biso partout à travers le monde. Mbote mingi bana Congo. Boye bolamu na manaka na bino ya face à l'opinion. Nazaye nesenga représenter bino le collabo mesano. Spécialement les lots kozongi na maye matali bongo élection na bureau définitif kuna na Sénat, na chambre haute ya parlement, tope chambre des sages. Ndenge to ebi yango, et il faut dire que pour na sept postes to on 14 candidatures et na katina yango 3 pona mai matali président ya Sénat kasi mbutu mbutu mwanda mbona ngambo ya Union Sacrée quand mosusu basali ko soutenir bongo ndeko Samalukonde espace ya katanga balobi ba se retrouver penza te na deuxième mandat balingi bazwa ebonga yango kasi na de pes basali bongo ko soutenir ndeko Idriss Mangala est-ce que a sengeli toté nani penza azali abongisami pona ici yango tango toyebi ke mibeko ya mboka na biso na article 27 ya constitution ezali kotalisa ke esika wana tope ebonga wana ezali bongo motoyo azali lokola dauphin constitutionnel ya tata mokambi ekolo en cas de problème to maladie démission pe bongo na bongo pourquoi kowela na est ce ezali ko fragiliser Union Sacrée nous en parlons au cours de cette émission na bandeko tozali na ye na etando ekie moko na lelo ndeko Dieu donné Kaninda. Les alimbal bosoa ko yamba yo. Mbote pe boye bola. Mbote mama Naomi. Mbote nande ko Dan. Mbote na bana nyo so Congo. Sika o izalimbal yanga ya liboso. Na manaka oyo. Me na kati ya emission to pe na plateau ya limbal ya liboso. Me na ndako ya Congo be izalimbal ya liboso te. Vraiment. To mesani to koya. Et puis tu copé ça longoni ya mingi na président Christian Bosembe c'est parmi les jeunes qui sont en train de faire la fierté de la jeunesse congolaise il était possible que le président de la République a sa confiance na jeunesse to moni kuna na c'est ça comme ça qui to ko eliko salema vraiment réglementation na secteur ya audiovisuel ba insanité ba sanctions ali sévères à tout moment lorsqu'il y a un problème. Nous voyons comment les auteurs sont interpellés, ils sont redressés. En tout cas, topé si le monde mingi na président Christian Bosembe. Matondo mingi mona mboka. Binopé na ngenge musale mati mama Naomi Mikolo yo ozali penda likolo sans flatterie. Na ma émission na yo ya Mikolo biso qualité à invité, qualité à ba questionnaire vraiment tolanda kayo. Bana ya Congo ba tindinga na pesa opembote ba bikoba bo bengo na musala na yo tika biso ba politique to sala ya biso politique yo tika la be mopantisa matondo mingi mwana mboka c'est le Congo qui gagne nous travaillons pour le Congo et merci na président Christian Bosembe bisika landi biso na étranger le quoi bo mesano to za rande ko dan zen o lelo azali na congé ya mariage azola na biso na ndaku na madame Longo donc mbote mingi de ko dan spécialement to za mwana mboka Daniel Kambowa wa ko accompagner nga pona ngambo lo merci beaucoup Naomi Mpila, merci également à Monsieur Dieudonné Kaninda qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. À vous, chers téléspectateurs et internautes, merci pour la fidélité d'En Face à l'Opinion. Voilà, Mboka Dieudonné Kaninda, qu'est-ce qui se passe dans l'Union Sacrée? Pourquoi Bouwelani, dans l'Union sur la poste, est-ce que Bozali Kolobali Loba mon côté, topé quelque part, Bozali fragilisé en interne? Dire que l'Union Sacrée est fragilisée en interne, ils allaient dans l'Ibota Nyonso, place au Batou Bazali. Moi, je suis un peu plus de mais nous sommes dans l'Union Sacrée, ils allaient prévu la démocratie. Vous savez, tout le monde a un fan de ça, démocratie. Dans la démocratie, il y a la tolérance. Dans la démocratie, il y a la liberté d'expression. Tomoni était baimboka kuna kati ya Sénat batondi meke bali na ba ambition. Kuna ali système te ya EP4 kingakati botia molongo ba pesi bino monde d'aller voter baza pour ça ko ka moto te.
tant que tout le monde a qui nous sommes qui l'Assemblée nationale, bah soumettre qui bah on a primaire, mais et comme na Sénat, bah bien était que le maire gagne. Tout le monde est bon, bah candidat misato, oh bah s'aligner pour la poste, il y a président, il y a Sénat, et puis na bah fonction nous. Pour na ngai ma condition, y a ngai na cadre y a unité nationale, na kanisa ki penza ke président ya Sénat et kende na ngambo ya Équateur ya ngwana na moni patriarche Jonas Mukamba wazali élu ya Équateur pe azali wana pona ko représenter grand Équateur azali président ya ya bureau d'âge non okay. Il devrait en principe être le président du bureau d'âge vu que le président Pascal Kindwelo abanda ki déjà ya bango mapona me ki nasuka. Il ne pouvait pas interrompre Mosala Oyo Pascal Kindwelo Abandaki. Yango batika ki Pascal Kindwelo akobabe na Mosala Abandaki ya 3 mois oya mission na bango yebani ya kopesa Sénat règlement intérieur ya ko organiser élection puis installation à bureau définitif. Yango ana lelo ba komi déjà na élection à bureau définitif pour na basuka ba installer puis mission à bureau sa nini. Et si là. Mais vous parlez de la démocratie quelque part, ça, ils allaient coquiner dans des désordres, non, 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 ce n'est. Écoutez, maman. Écoutez. Madame, kaka Nicolas Tukoleka, Ndekosa Malokon d'autres à la première ministre. Et puis parlons d'abord sur le plan de l'unité nationale. L'espace Grand Kassai ont la présidence de la République. Les Nekongo ont la primature. Les Swahilifones, ils sont déjà représentants à l'Assemblée nationale par le président Vital Kamerhe. Mais n'avez-vous voulu encore placer un autre Swahilifone? Hein? Bande Konabiso Équateur, Lingalafone, bas à la paix représentée dans l'institution. 4 espaces linguistiques dans la Mboka. Ezala représenté. Pour combattre régionalisme, tribalisme, clanisme, système, il y a moi tout balobaka, pangi na mounou, nous devons combattre ça. C'est ainsi que bisoto mona qui était la kanisa qui était poste, il y a Sénat, topi à présidence, il y a Sénat. Je voudrais revenir sur ce que Naomi Pila vient de dire. Vous avez appelé les désordres en termes de démocratie, mais à qui profite cette démocratie mal organisée? C'est le peuple qui gagne en tout. Parce que nous avons milité pour travailler pour l'intérêt de cette population. En tout, c'est le peuple qui gagne. Ils sont soumis à une compétition électorale, un jeu de la démocratie. Et nous, nous sommes de ceux qui s'inclinent toujours à la démocratie. Et la victoire de celui qui va gagner, nous n'allons pas célébrer la victoire d'un cas à un autre. Comme disait le chef de l'État lors de son premier discours de l'investiture de mandat dernier, il a bien dit, nous ne célébrons pas la victoire d'un cas à un autre. Et c'est ce qui va se passer vous dans notre Sénat. Vous voyez le Sénat... Vous ne craignez pas qu'il y ait des frustrations après. Non, la frustration, il y en aura toujours. Quand que les hommes existeront sur cette terre des hommes, il y aura toujours des frustrations. Le Sénat est composé de 108 membres, plus un sénateur à vie. Et le membre qui va représenter le Sénat, donc le bureau définitif, on a besoin de 7 personnes. Il y aura toujours des frustrations. Donc, il faut toujours s'attendre à des frustrations. Mais nous, nous sommes de ceux qui croient à la renouvellement de la classe politique. Voilà pourquoi nous apportons le soutien à un jeune très dynamique, très compétent, Moïse Ekumbu. Il est déjà en train de faire un bon travail comme deuxième secrétaire qui fait d'office le questeur. Mais laissez-lui continuer le travail qu'il a déjà commencé. Les bureaux Kindwelo, grâce à leur implication, il n'y a pas de scandale de détournement des deniers publics. C'est un monsieur sans tâche. Ma question qui n'a jamais travaillé. C'est ce que les Congo ont besoin. On n'a pas besoin des anciens kabilistes de revenir aux affaires. Quel est le profil idéal pour être président du Sénat? Il faut avoir une très bonne moralité. Avoir une moralité irréprochable. Vous savez, en 2015, lors de
la marche contre la loi électorale où nous étions opposés. À l'époque, j'étais à l'opposition. Les conditions, les conditionnements des élections à recensement. Le Sénat de l'époque avait joué à la sagesse, avait écouté la rue. Nous avons vu le président du Sénat de l'époque, le doyen Kengo Adondo, qui avait même lancé un message à Lingala, « Banaking Toyokibino, nous avons besoin de ce Sénat-là. » On n'a pas besoin d'un Sénat qui va se transformer à une série de novellas sous le jeu des échanges de fleurs, de vieux papas, de vieux mamans de troisième âge. On n'a pas besoin de Sénat-là qui vont offrir à la République des scandales, des détournements des deniers publics. Si vous voyez ce qui s'est passé, l'ancien bureau du Sénat, il y a des scandales graves. Maintenant, aux Olobelali Kamboyango, et Singe Koye, que UDPS, ou les alliés majoritaires, qu'on a Sénat, Bango ba Pessi, Mbela na Bango, Ponandeko, Idriss Mangala, ou Azaki, gouverneur na Maniema. Oui, le choix à UDPS, Ndeko Idriss Mangala, on ne pouvait pas contester. L'UDPS a fait son choix. A bien a étiqué Idriss Mangala. Bande comme nous sommes super, l'ingomba politique nous sommes pas bien terre, bisous, bisous, tiki, Idriss Mangala. Mais bisous, pe, bah, il est indépendant. Tobi terre, bisous, tiki, Moïse Ekombi. Kuna na question. Pambate, mon salaire à l'État, il faut salema. Nenge kulu tu abisous, mon kaloba qui bon à l'État va coller un gros feu bela. Mais kuna si kona question, la sénèse allié belle et belle à te basim bakate. Mais avec le poids de l'âge, est-ce que ça et moi, écoutez, les avantages, dans 3 ans, c'est quand même beaucoup pour suivre le rabat poste. Écoutez, maman, pourquoi vous voulez rendre quelqu'un incapable lorsqu'il est capable de faire les choses? La République peut bénéficier de la sagesse. Il y a papa Jonas Patrice Jonas Mukamba. La République peut bénéficier de toute son expérience. C'était un ancien gouverneur de l'Équateur, ancien PAD dans Miba et consort. Donnons-lui la chance. Nous sommes tous les sénateurs. Va offrir un spectacle désolant. Parce que le Sénat, c'est la chambre haute. Et allez, si vous avez un peu de mboka. Ce qui nous dit, c'est que nous avons un peu de temps. Va réfléchir, va réfléchir comment le pays va marcher. Ce que nous allons rentrer auprès du sénateur. Il y a un sénateur qui a le choix honorifique et honoré Mboka Mobimba. Pourquoi pas ça, Malokonde? Il y a ma béni, il y a mon épanaï. Écoutez, maman. Parce que Katangé, c'est frustré. Totika débat, il y a frustration. Katangé, ils ont été 2 fois la primatine, l'ancien mandat. Le mandat passé, pardon. Sylvestre Inokamba, il était doux. Samalokonde, il était doux. Ce sont des gens qui n'ont pas aidé le chef de l'État. Nous devons se dire des vérités en face. Le chef de l'État a eu 70%. Samalokonde, même dans son territoire, dans son fief de Kasenga, le chef avait échoué. Parce que en quoi ils ont aidé le chef de l'État? Maman, nous devons éviter Yakozaka toujours. Oh, les grands Katanga Babi, Bapé Sabango et Loko. Nous tous, nous sommes des Congolais. Mais s'ils sont compétents. Moi, je soutiens Moïse et Kombe. Tu n'es pas de ma province. Mais la géopolitique existe. Moïse et Kombe est élu de la province de la Tchouapa. Mais j'apporte mon soutien à ces jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a la compétence. Je parle ici de la géopolitique. La géopolitique existe, bien sûr. Mais la géopolitique ne peut pas imposer des choses au nom de la géopolitique. Lors de toute nomination, de toute disposition de poste, on tient compte de ça. Une précision, Michel, de la géopolitique. Entre la géopolitique, les poids politiques et la compétence. Tout va marcher de pair. Si un Katangé juge qu'il est compétent. Évitons le débat. De Parlez de trois. Parlons Congo. S'il vous plaît. Je suis congolais, j'aime parler. Vous plaît. Je me sens très mal à l'aise. S'il vous plaît. Lorsque vous voulez lier parce que ma vous, réflexion, vous pensez mon que idée à un coin de la vous République. Pensez, parlons vous République. Pensez géopolitique, vous avez réclamé que l'Équateur puisse prendre. Ça n'engage que moi. C'est ce que j'ai dit. Exact. On est dans ça. Géopolitique et les poids politiques. C'est-à-dire, s'il y a un compétent à l'ouest,
on est obligé de prendre à l'équateur parce que c'est l'espace linguistique. On n'est pas nécessairement obligé de s'incliner ou d'aller dans la géopolitique. Très bien. La République a besoin de la connaissance. La compétence. De la compétence. Mmh. Les gens capables. Même quelqu'un du Grand Kassai, s'il est capable de travailler comme sénateur, il n'y a aucune loi qui est interdite. De postuler aussi. De postuler, il n'y a aucune loi. Il n'y a pas une loi qui dit que le président du Sénat ne peut pas être de la même province que le chef de l'État. Ça n'existe pas. Très important. Donnez-moi cette loi si ça existe. Ça n'existe pas. Donc vous êtes d'accord, on peut miser sur la compétence que sur... On peut miser sur la compétence et la qualité. Nous devons voir un Sénat avec une image redorée. Mon cher ami, le Sénat, ce n'est pas une chambre, je ne sais pas comment je peux dire. C'est la sagesse, c'est là où se situe les têtes de la République. On ne peut pas placer quelqu'un parce que, non. Et surtout tous les anciens kabylistes, c'est là qui courent derrière des postes au Sénat là. Ils ont travaillé 18 ans avec Kabila. Les 5 dernières années avec Tshisekedi. Vous avez parlé de l'expérience, non? Maman, vous avez parlé de l'expérience. L'union sacrée Zaka Blanche, série politique. Vous savez, le plus important dans notre régime, c'est quoi? Nous dénonçons les détournements et nous assistons à des procès. Écoutez, maman, premièrement, vous avez de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Timokolo Oyo, culpabilité na yo, vous allez établir par un jugement définitif. Et il y a aussi un principe de double degré de juridiction. Maman Naomi na fundio, oyiba tinga téléphone. Tokei na tribunal de paix. Zouzi a tribunal de paix, abi ke maman Naomi ali moibi. Toi, tu n'es pas convaincu. La loi te donne la possibilité d'aller saisir les instances supérieures. Ok, un tribunal de grandes instances. Zouzi a tribunal la grande instance habité. Moi, il n'a pas conseillé que maman Naomi m'a quitté. Maman Naomi a iba quitté. Moi, il n'a pas na oh Zouzi a l'obité. Na matin à cour d'appel, qui n'a pouvoir à cassation. Ce qui n'a moyen de Zouzi ouana a condamné yo na maïo et zali na mibé koli kunzité. Je vais saisir la cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité. Ou ceux qui m'y bêtent, je vais saisir les conseils d'État pour la légalité. C'est ce que nous voyons dans notre pays, c'est ce que vous ne voulez pas comprendre. C'est ce que. Je peux vous donner l'exemple d'un procès sans jour. Maman, vous savez, pour poursuivre quelqu'un de l'infraction, on appelle détournement. Il y a des critères, il y a des préalables. Premièrement, il faut être un agent public. Ce n'est pas tout le monde qui peut être poursuivi de ça. Nous devons faire confiance à notre justice. La justice était malade, comme disait le chef de l'État, mais la justice a trouvé le médicament. Ah bon? Avec Maître Constant Moutamba, impunité zéro, justice Yamboka était l'ennemi. Fini, justice Yamboka fort. On parle du populisme. Non, ce n'est pas du populisme. Des slogans. Est-ce qu'il y a des réformes? Il y a libre réforme. Il y a libre cours et tribunaux. Maman, je suis habitué tout le temps. Je passe ma vie là-bas. Je vous dis, Maître Constant Moutamba, jeune culé, mais plein de rigueur. Bato va subir la rigueur. Il y a libre zouzi. Le magistrat est à parquet. Dans ces pays, on nous a relevé le magistrat de 3V. Dans ces pays, avec les contrôles, on a découvert des magistrats sans niveau, sans titre.
parce qu'il est fils d'un neveu d'un. Et aujourd'hui là, avec le venement d'un état de droit, maman, ma Yohane Salé Makalissou sous terre. État de droit. État de droit est véritable. Dans un état de droit, Ezakanabato bakalikolo et mibe côté. État de droit, Zakane naba institution forte. Ezakanabam forte. Bisso, régime n'a pas dit que nous dénonçons. Et nous voyons, nous assistons à des procès. Et ma procès sur les cannabis tape tout. Maman, pendant 18 ans, avez-vous déjà vu un proche collaborateur du chef de l'État être déféré devant son juge? Combien de soupçons, rumeurs, il y a détournement de fonds de deniers publics et salement? Et combien des arrestations? Le problème, c'est quoi? C'est pas amené à la justice, maintenant c'est la suite, c'est quoi après? Écoutez, la moto a la tournée moto, manco a zana boloko pour détourner qui denier public. Au pessing a combo na été. Balie belé. Dessina. Bazalie belé. Ndakisa. Ndakisa moto moko a zaki na biloko a epeste wana le nom échappe. Soko keina prison, ya makalo a biswa. Balie belé. Pour nous détourner ma denier public. Mais tous les hommes forts sont dehors. C'est faux, comme qui? Vous voulez que je vous cite là? Citez-moi le nom d'un homme fort qui est dehors. Qui a détourné. Certains, il y a des procédés qui sont en cours. Comme qui? François Roubot est où? Roubot n'est pas un homme fort, c'est un ancien ministre d'État. Nicolas Kazadi où? Mais Nicolas Kazadi, la procédure continue. Bino Bapandisango, Nicolas Kazadi est sorti du territoire national. Et qu'est-ce que nous vous avez fait? Vous avez proliféré l'étoile, non, Nicolas fille et tout. Mais Nicolas est de retour, maman et pourquoi, Naomi. Et pourquoi? L'honnêteté de votre profession. Annoncez-nous sur son retour. Vos claviers là n'existent plus quand Nicolas Kazadi est à Kinshasa. Mais toujours c'est la procédure. Écoutez, la procédure. La demande de la mise en liberté, ça demande, c'est de l'appréciation. Il y a magistrat instructeur dans le dossier. Il va évaluer les cas, les dossiers. Et la gravité de ces cas. C'est son pouvoir à lui, à Kotal. Est-ce que c'est important? Le monsieur, les raisons pour ces valables? Est-ce que sa fuite n'est pas à craindre? Il y a un autre qui a été en détention préventive. Il y a un autre qui a été en détention préventive. Privilège de juridiction. Il y a en résidence surveillée. Résidence surveillée, il y a un autre qui a été en détention. Vous pouvez circuler. À tout moment, la justice peut vous interpeller. En attendant, les enquêtes sont en cours. Ayez vos apaisements. Nous, nous sommes venus pour relever les défis de l'ancien régime. Et ce que Tshisekedi a fait, et il est en train de faire, Tshisekedi est en train de poser des jalons de la refondation d'un État. Dans quel État nous avons trouvé cet État? Où l'État n'existait pratiquement pas. Nous avons il y a des secteurs où l'autorité de l'État n'existait pas, en pleine capitale, en pleine ville de Kinshasa. L'État congolais a retrouvé sa force, son autorité. Premier vice-président du Sénat, poste et deuxième vice-président du Sénat, tout petit Batomi Balen, de Kobas Mkwebo Azali, de Ko Esenge Mbelo Oyazali. Kasinangambo ya Kester, de Kouti 4, 4 candidats par rapport à poste à Moussous, puisque rapporteur 2, rapporteur adjoint P2, ou à publicité Kandeko Edis Kalonda Salomon Azali, Pendeko Baende Jean-Claude Azali. Ça, c'est un poste qui est réservé à l'opposition. Exactement. Maintenant, où est la question? Pourquoi 4? Ben, nous avons vu les gens qui ont de mes salles. Certains, ils ont été placés au réseau Lukabako Mawana. Il s'est passé ce qui s'est passé. Et Balingi Bazongana, c'est un complot contre la jeunesse. Mbokana Bisso, depuis notre accession à l'indépendance, en 1960, c'était toujours de jeunes. Les Lumumba ont exercé des fonctions, Yamine Nenamboko, dans moins de 40 ans, moins de 30 ans. Ce sont de jeunes. Et Yangwana, la Sengi, la sénateur, va payer sa chance dans la jeunesse.
le choix de la jeunesse, le choix de bilingue. Jeunesse, Karakwaza et Lenge. Topé jeunesse pour abonger de ne si kawana, parce que compétence et zo compte. Tant ou déjà, comme yon a, il y a aussi la compétence qui compte. Bino bongi bozo motomoko, parce que expérience pas qu'on s'en a yon mabe, motomoko tanga coupe kouti, bazo yon bata yon a. C'est ça ma question d'ailleurs. Explique-nous un peu de manière ramassée qui est M. Moïse pour ceux qui ne le connaissent pas. Moïse, de manière ramassée. C'est un sénateur élu de la province de la Tchopa. Il est le deuxième vice-président, deuxième secrétaire, il y a bureau provisoire qui fait d'office le rôle de questeur. Il a commencé un travail. Laissez-lui terminer le travail qu'il a déjà commencé. Parcours politique. Et pourquoi Bato, il y a certains même besoin vieux poste, ils ont abusé à la confiance du chef. Ils ont été chassés dans l'entourage du chef. Il y a même d'autres personnes. Bazala Kiwana, vous n'avez rien fait. Nini Obo Bosani. Ce sont des gens. Les gens qui se disent pas qu'on a le pouvoir, on a le pouvoir. Ce n'est pas ça le Congo que nous avons voulu. Mokonzamboka, Azali Kobunda pour un renouvellement de la classe politique. Et il fait confiance à la jeunesse. Sauf que Moni Bilenge, dans le gouvernement, madame la ministre de la jeunesse, elle est jeune. Ministre Moutamba, elle est jeune. Il est jeune, pardon. Mais pourquoi pas, dans le bureau, il y a le Sénat. Papa, ça fait confiance dans la jeunesse. Moïse Ekombe, Ekumbu, Asa Moussala, Oyesia Bandaki. Mais pourquoi il se présente comme indépendant alors que... Parce qu'il a été, il a été élu sénateur indépendant de la province de la Tchopa. Saura-t-il faire face à Naba? Et pourquoi pas? Il a fait face... Porté dans la partie politique, il a de paix sur la majorité. Mais il a fait face, il a fait face... Il a tout besoin qu'on ait sané, miné, nous en a tchoua pas kuna. À quoi ici, bango, mitende. Bonsoir à Keikuna, na Sénat, pour la question, Rakobanganan. Toute la jeunesse congolaise sont mobilisées derrière la candidature de Moïse Ekombo. Lobby, tu as compagné qui est à déposer candidature à bonne et du forme. Et tous les gens qui sont là, sénateur, va honorer le Sénat. Oh, il y a ba papa, il est où Sénat, oh, il y a ba Ramazan, il y a. Sénat oyo ya ba papa ya biso motinga. Sénat oyo ya ba mukolo a pong. Sénat oyo ya ba monseigneur Marini Bodo. Ba pesa biso Sénat wana. Nous ne voulons pas un Sénat. Ya ba tata moko ba ya ba retraité politique. Non. Ma question c'est aussi les attentes de ces Sénats. Les Congolais, le peuple congolais attendent beaucoup de ces Sénats. Par exemple. Des réformes. Parce qu'il y a ceux qui disent que le Sénat n'a pas sa raison d'être, c'est une institution budgétivore. Non. Pourquoi le Sénat ne pouvait pas avoir la raison d'être? Nous avons un parlement bicaméral. Cette question va toucher à la Constitution. Pour ceux qui pensent qu'on doit supprimer le Sénat. Les attentes. La Constitution consacre un parlement bicaméral de deux chambres. La chambre haute et la chambre basse. Mais là, quand vous voulez, vous dites, vous parlez de budgétivore. Il n'y a que le Sénat qui est l'institution qui est budgétivore. Vous avez... Le Sénat, ça, le truc là, son impact, c'est quoi? Qu'est-ce que le Sénat, ça, apporte à la République? Et l'impact du Sénat, c'est quoi? Ah, le Sénat, ça donne la chose à la République. La seconde lecture, représentativité à ma province. Le Sénat représente les provinces. Ils sont là, ils parlent. Au nom et pour les comptes des provinces, quelques contrairement attentes, à l'Assemblée nationale qui parle à la compte de la population. Les attentes, c'est-à-dire des réformes pour nos différentes provinces. Okay. Renforcer les pouvoirs dans les ETD, les entités territoriales décentralisées. Dans nos différents... Écoutez, Mokonzamboka, il nous parle, il y a développement à 145 territoires. Mais ces programmes-là pouvaient être apportés que par des sénateurs qui représentent des provinces. Parce que, bah, yébi, ma province, on a bien. Ayebi ete Moïse Ekombe ayebi ete kuna na Tchopa ena ba territoire boye ayebi problème ba territoire ekela Bokungu boende ayebi wana nyoso. Il va travailler enfin pour na ba changement wana développement na 145 territoires Mokonzamboka bandeza réel. Moi j'ai vécu ça, j'étais à Kasangi, à Muchacha, à Sandoa, partout là j'étais na Tambola Kiti, na Sekebanza, na territoire à Madimba. Nous avons vu que
le programme de 145 territoires, maman, ils ont visible, ils ont solo. Réalité que. Ils ont quitté combien de pourcents déjà? Na tambola ki toza na 145 territoires. Ngai ona mona ki évolution ali makasi, je peux dire à 40-50%. Parce que construction y a ba hôpitaux, y a ba bâtiment déco. Nous sommes dans un pays où les administrateurs du territoire siègent sous les arbres. Ils n'avaient pas même un bâtiment pour abriter les bureaux, même pour hâter administrateurs du territoire et les hôpitaux et les écoles. Quand la pluie et oui, ça va ravager les écoles. Il y a des enfants qui font des kilomètres. Certains prennent même des pirogues pour aller étudier. Allez voir des réalités dans nos provinces. Et qui sont-ils ces gens qui pouvaient apporter cela au niveau national? Si ce n'est pas l'Assemblée provinciale ou les sénateurs. Bon, les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, c'est ce qui s'est passé de la fois passée. C'est-à-dire? C'est-à-dire de transformer le Sénat à une série de novelas. Il y a des détournements, il y a des deniers publics. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Il y a des gens qui sont dans les monopoles politiques. Vous avez été la présidente du Sénat. Et vous voulez encore revenir au bureau. Pourquoi vous... Vous parlez de... Pour faire la politique, il faut toujours être toujours... Président modeste, aux affaires, dans son parti-là. Il n'y a pas de gens. C'est madame Naomi qui cite les noms. Moi, je cite les noms de Moïse Ekombe, candidat. C'est un partenaire du chef de l'État. Hein? Non. Il ne s'est pas retrouvé la FDC. Pourquoi? Écoutez, la FDC, pourquoi les membres des présidiums de l'Union sacrée ne pouvaient pas suivre l'exemple de l'honorable Augustin Kabuya Chilumba? Vous savez qu'il n'a pas des ambitions. Au-delà de tout, il ne pouvait aussi exercer une fonction. Il a renoncé. Il a accepté de rester au, il à l'Assemblée nationale. Il a accepté de rester un député. Mais pourquoi pas? Et tous les membres du Présidium sont dans la course du pouvoir. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Oui. Mais lui, il a, au-delà des égoïstes... Chaque parti politique a ses objectifs. Mais Augustin Kabuya, c'est un monsieur à respecter. Même tous ces gens-là qui turquent sur lui à tout moment dans les réseaux, dans la télévision, c'est la jalousie mal placée. C'est donc la... Vous pensez que Ndeko Obati Lukwebo fallait se ressaisir Obati Lukwebo à Sikate, alors qu'à soutenir Tata Mokambiokolo. L'égocentrisme, l'égoïsme, de vouloir tout avoir. Azan a combien de députés, a eu combien de postes ministériels, si. N'est-ce pas là, Azaraki, Batye Pembeni? Écoutez, la constitution ne parle pas. Si vous avez autant de députés, vous avez autant de ministères. C'est dans quel article de la Constitution? Mais Zala qui accord, accord et finalement qui quand? On ne peut pas forcer la main du chef. Ce que Bati et ses acolytes sont en train de faire, c'est de forcer la main du chef. Le chef, dans son pouvoir discrétionnel, il placera la personne qu'il veut dans la place où il y a l'ingi. De manière dispersée. Qu'est-ce que vous appelez de manière dispersée? Marc, les désordres que vous avez appelés la démocratie. Écoutez, Marc Kila, qui est ministre du formation professionnelle, il n'est pas de l'AFDC. Le monsieur Frahim, qui est ministre du Travail et Provenance sociale, il n'est pas de l'AFDC. Et pourquoi... Donc, vous voulez que tous les gouvernements soient les membres de l'AFDC parce que Bati, lui, il veut tout pourquoi avoir. Pourquoi sa présence vous dérange au Sénat? Ça ne nous dérange à rien. Mais parce que vous dites qu'il devrait normalement laisser aux autres. Non, ce n'est pas sa présence qui dérange. Ici, sur ce plateau, vous m'avez posé la question sur le message. Je suis en train de vous répondre. Ce n'est pas que sa présence dérange. Qu'est-ce que Bati peut nous déranger? En quoi? Tchakimbo soit celle qui est en l'Assemblée nationale. Pourquoi? Mais ce sont les mêmes personnes. C'est ainsi que lui veut emboîter le même pas que Mbosso. C'est ça la politique, les combats d'un parti politique. Chaque parti politique a ses ambitions. Les partis politiques et définis même. On peut conserver le pouvoir. Pas autour d'un individu, mais au sein de la formation politique. Si au sein écoutez, donc, AFDC de Zalakawana, tous ces gens, je vois les jeunes gens de fil, si il y a le sénateur AFDC, il y a que Bati Lukwebo qui a la compétence d'exercer des fonctions. Ou sa famille. Si ce n'est pas lui, parce que lui là-bas, si ce n'est pas lui, c'est sa famille, c'est ses gendres, sa fille, son fils. Voilà. On peut construire un parti comme ça. Ce sont des choses que nous devons les erreurs à éviter. Ce sont des erreurs à éviter. Tant que Kosenga, pona
awele la poste ya bureau ya l'Assemblée nationale azabana ya baninga simbisi ba drapo na moi pona 10 000 2 3 000 ba yembela ye. Aucun de ses enfants doit être là. Mais aux hommes, tant que comme on a partagé à pouvoir à gâter les familles d'abord. Aux hommes, on a dit que si tu comme en 2027, bah partenaire, bah se retrouver, tu vas être frustré, bah risquer, bah payer ça, mon congo, on a tata, mon cambier colo. Ce sont des gens qui ont trahi Kabila. Sont pas trahis, tu sais qu'il dit, ça ne va pas nous étonner. Ça ne va pas nous étonner. Il n'y a pas de cadre politique. Hein. Le plus important avec l'Union Sacrée, le peuple est très vigilant de tout ce que vous voyez là-bas. Mais les yeux de la population sera braqué dans toute personne. Attention, ici ce n'est pas une blanchisserie. Keba, Bayembe la rabango tokoza le kenge na mboka. Mais c'est ça le kenge na mboka. On a eu deux pèses. Peuple. Ah. Peuple. Mais là où est-elle? Et si qu'à l'opposition, tout le monde est des opposants, selon eux, entre Ndeko Salomon, Ndeko Jean-Claude Bayende, là, il y a un peu pour représenter l'opposition. Puisque l'opposition est plus réelle, justement. L'opposition, d'habitude, Bango était, Batiké, les Bango, le quoi, non, mon con. Mais l'opposition, peut pas qu'on bundate. Tende, si qu'on va se faire sa porte-parole, t'es. Mais quand on a l'Assemblée nationale déjà, mes qui travaillent, ils ont je suis sûr qu'il y a un Sénat, avec l'aide des sénateurs, il y a Bissot, il y a Union Sacrée, il y a un rapporteur adjoint à bonne du forme. Voilà. Parlons des questions d'actualité, puisque le bac est comme état de justice, c'est un monument qui a fait pour que tout le monde soit force de progrès. Le bac est un juge. Bazoloba haut et fort, nous sommes combattants de l'IDPS. Mais combattants de l'IDPS qui se retrouvent na ko salaire mon salaire justice qui se retrouve na balabala basu suko kangaka bato kocha insécurité. Est-ce que l'IDPS finalement a zo ko entretenir? Il y a beaucoup de choses qui se disent na combo ya force du progrès. Misusu eli ya lokuta ya badongolo misu. Maman Naomi, Namboko au Congo, on a connu les bérets rouges. Vous savez ce que les bérets rouges faisaient? Les bérets rouges, ils étaient des intolérants. Qui pouvait passer dans un plateau, critiquer Kabila et rentrer chez lui sans être visité par les bérets rouges? Ils ont dit que les gens ne sont pas en force de maman Nayo, personne ne sait maman Nayo. Coup sur coup. Voilà l'éducation qu'on a donnée. Il y a béret rouge. Mais la force du progrès, Bazali Bilenge Oyo, nous devons les soutenir. Pourquoi? Parmi eux, ils ont sacrifié leur jeunesse pour cette alternance, pour le combat de la démocratie. Il y a de ceux-là, ils n'ont même pas tant à jouir la jeunesse là-bas. Pour nous rebondir là, Mboka et Kobonga, marche Bweba Aliwana. Et aujourd'hui, les jeunes de la force du progrès, ils sont accusés de beaucoup de choses, certaines qui ne sont pas vraies. Maman, dans un pays, puisque auto pays ça exemple est à Béret Rouge. On a comme l'impression que chaque fois que il dépasse au pouvoir, ça y est le colobara. T'as la paix Kabila, mais il dépasse ça y a qui pour Zala qui bongo pour un changement. Pourquoi ne pas changer les choses et ça refera toujours à Kabila. Depuis Béret, il est modèle dans le mal. Ce n'est pas si on donne les exemples, ce ne sont pas des bons exemples. Les bérets rouges dans des maisons inachevées ici à Kinshasa. Ils traitaient les chefs de l'État de tout. Ils chantaient à l'honneur de leur gourou. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas ce que la force du progrès sont en train de faire. Alors qu'ils ont une base, Nakatia base sur Bakuti Kacho, la police à Sala qui assaut sur place. En tout cas, ça. Akuti, arme blanche. Mais je n'ai jamais vécu ça. Ok. Je n'ai jamais vu force de progrès à comment on a caché. Nambo kayo état de droit. Comment oh général Blaise qui est malin. Il s'est pris. Bah tout le monde beba ça la caché on a d'abord puis
justice topé ba police ya mboka na so ba et ça solo te mettant de ko azali boso ba juge azo déclarer que ba senga ki bango service ba 5000 dollars pour que ba ya ko bimisa moto na ndako alobi 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 azali combatté ya IDPS na parti politique. Il y a des gens qui sont payés, qui travaillent. Ta bazo tout na musala na ayi sibina li combatté ya IDPS et dans la musala. Peut-être le contrat verbal existe, madame. Peut-être bilingue wana bali na misalo ya bango basala na kati ya parti. OK. Mais dire que bazali ndenge bazo traiter bango, j'ai même vu. Et si quand on saute, alobi ba pesi bango mosoro po basunga bato wana ba bengana basusu. Je n'ai pas suivi cette vidéo. C'est un conflit parcellaire. Oui. C'est un conflit parcellaire qui est relevé la question, ma ke mosala nini wana, est-ce que ça compétence na bango? Non. Ba jeune force du progrès, ils ne sont pas compétents ya kosunga justice na déguerpissement. Non. Le déguerpissement ça se fait par un jugement. Par les agents de l'ordre, ne va coordonner des guerpissements avec un mandat de perquisition. Qu'au cas où va bloquer porte, va bouka, va sauter, mi va escalader les mi va bimisi bloquer les bandes. Là, c'est la force de la loi. Mais je ne vois pas le jeune, la force du progrès. Makambo ya lina justice ba kende ba bukanda kwa batu ba bimisa. Pourtant c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas d'ailleurs que il y a des agents, il y a parquet au basenga bon ba service. Non. Il a dit non d'utiliser la force. Non. Il a dit je n'ai pas suivi cette vidéo. OK. Mais vous avez suivi la vidéo où le président, il y a force du progrès. Je ne sais pas Lukunga, mais je ne connais Lukunga, pas son nom, oui. Monsieur. Antibal qui dit que Togo Kendeko Bimisa, Barwande, Wana, Nandako, Wana, Ezaya, Bangote, Wana, quand même, Olandaki. Babimisa, Batunandako, Wana, Nandako, Mizaka. Azolo Bela, maman Olive, famille Kabila. Azolo Bela, famille Kabila. Non, ça, je n'ai pas suivi. Franchement. Vous n'avez pas suivi aussi. Non, ça, ma question, monsieur Dédonné, qu'est-ce que vous reprochez, pardon, à cette, à cette structure des jeunes liée à l'IDPS? D'abord, vous avez reproché il devait se conformer à le règlement intérieur du parti et à la hiérarchie du parti. Si réellement ils sont membres du parti, parce que ce n'est pas tout le monde qui a du progrès. Il y a même des gens qui n'ont jamais été dans la force du progrès. À Sali Makamle Nanzela, on a du progrès. Infiltration pesa makasi na kati a du progrès. Il faut vraiment s'identifier. Qui est avec nous et qui n'est pas avec nous. Mais le général Kilimba Limba a dit sur Top Congo, je l'ai suivi, que Azwaki Manda Yako étouffer, voire même qu'on faire disparaître une milice à force de progrès. Ce n'est pas une milice. Quand ils vont chercher à terroriser la ville, ils vont rencontrer la force de la loi. Ce n'est pas une milice. Ce qui est terroriser la ville, troubler l'ordre public, la justice va mettre la main sur eux. La police va remettre ça dans le biberote. Au moins, il y a un lobby de Bosso. Si, il y a un crime. La monnaie, bango lobby. En train de manifester. Animer leur hymne national devant un tribunal au nom de leur leader. Est-ce qu'ils veulent, ils ne cherchent pas à faire peur à la justice? Non, ce n'est pas faire, ils vont chercher à faire peur à la justice. Comment? La force reste à la loi. Intimider. Au moins voilà pourquoi je vous ai dit, au moins nous assistons à des procès où nous voyons les gens qui se considéraient être au-dessus de la loi d'être déféré devant le juge. Mais ce n'est pas le cas qui se faisait. As-tu vu combien de bérets rouges devant le juge? Combien de bérets rouges? Je n'ai pas le droit de vous poser des questions, mais on doit réfléchir ensemble. Combien de bérets rouges? Combien? Mais ce sont des signes d'un changement. Que bana yabiso morandaku, bakadi bango lambe bato sanctionné bango. Mais bango mwana na yagi moyibi mwana na yibi akotse na ndako abombie mwana na yakulu na kati motolichete abombie mama okuta ina mupe kanga e kate sultani. D'où est sortie cette expression? Les églises catholiques saccagées,
Alors, quel doit les sièges de partis politiques. Quel doit être leur sort, selon vous, s'ils sont réellement dans les antivalères? Nous allons nous incliner face à la décision de la justice. C'est ça aussi l'état de droit. Ok. Nous allons nous incliner. Ils sont en détention préventive. Mmh. La procédure sont en cours. Si le tribunal prononce un jugement, incriminé, acquitté, nous allons toujours nous incliner. C'est ça aussi la justice. Il y a mon conanelo, on a dossier, il y a. C'est vrai que ville province de Kinshasa de Kubumba a fait ça qui bongo programme il y a société naie mais maman j'ai dit soumino bana kongo bazo mituna maman zo yokana penzate à peine na gouvernement naie mi balé kaka ntomisa tonde bazo ninga na lokwa ba ministre ndeko Constant Mutamba wa zo kala mandambu ministre ya finance pe ndeko liaou wa sara musa penza avant déjà moi bien mais maman soumino ye moko lingomba ya ba mosusu wana pourquoi ça ne tourne pas? On a l'impression que ça ne tourne pas, pourquoi? Non, ça tourne, le gouvernement sont en train de travailler. Nous avons vu madame la première ministre à Bukavu, elle était à Kisangani il y a pas longtemps, elle travaille. Lorsqu'on travaille, on ne fait pas de bruit. C'est sa façon de travailler. Laisse-la travailler. Nous allons la juger par des résultats. 4 millions d'emplois pour 5 ans et un programme très chiffré. Mais on ne sent pas signaux forts. Jusqu'à là, elle n'a même pas, depuis son investiture au Parlement, elle n'a même pas totalisé 3 mois. Tozela 100 jours et à Maman Judith, la tête à gouvernement. Et nous allons apporter des critiques. Que dollar et zomata, bien zo comme passe l'autorité, maïté, nzala. On a comme l'impression que le deuxième mandat Fati, ça déjà, et Kemabe. Non, non. Deuxième mandat Fati et Kemabe, les gouvernements sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler pour vouloir répondre. On a besoin de la population. On travaille alors qu'à l'Est, on perd des territoires. Mais à nous récupérons aussi des territoires. Pourquoi seulement lorsque les rebelles, là, les ennemis de la démocratie, ils prennent un territoire, vous allez annoncer dans le plateau de télévision. Et quand le FARDC récupère. Non, on le fait toujours. Mais non, je n'ai jamais vu. Maman Naomi n'a pas raté la statue. Non, t'es Natala. Maman Naomi a commis Nini. Atenani, a lobby Nini. Natala Kakak. Au 4e jour, il y a Bounagan les a occupés. Mais quand les territoires sont récupérés, Namon a raté. Natala. Nalandaka. X Nayo, Nazotal, a commis Nini. Ne soyez pas là pour communiquer pour les comptes des rebelles. Qui n'ont pas bombé autant. Il y a certaines choses, ce sont des intox pour faire haïr le régime à la population. Ils ramassent les histoires, il y a État islamique, il y a le bloc à Boko Haram, ils balancent dans les réseaux. On connaît bien cette histoire-là. Pour Balobakena. Quelqu'un a dit que tout est malade au Congo. Peut-être c'est l'huile qui est malade, c'est pas tout est malade. Peut-être la personne qui dit que tout est malade, c'est quand vous êtes chez un médecin, le médecin vous dit ça ne va pas. Et vous répondez au médecin, vous-même ça ne va pas. Mais le médecin a diagnostiqué, il comprend que ça ne va pas. Lui quand dit tout est malade, quels sont les éléments que lui il peut prouver pour dire que tout est malade? Comme quoi tu es malade? La gratuité de la maternité? La gratuité de l'enseignement, bientôt c'est la rentrée des classes. 6e année de la gratuité de l'enseignement. Ça vous ne parlez pas de la réussite. 6e année, vous ne parlez pas de ça. Avant, il y a gratuité, ça t'es gratuité. Mais la gratuité, on va ne fendre. T'as combien de soukés? 6e année. Mais question opinion, le président, comment vas-tu? Vous avez des informations? Je comprends vraiment que depuis Kasavubu, il n'y a jamais un président peuple congolais qui n'a pas la fâche. Je ne sais pas, aucun président n'a beaucoup de veille à Nébon. Ce qui est que 10 jours, je suis en train de me faire un président Zahab, président Zahab. Et lui-même, ça lui fait du bien. Il comprend qu'il est aimé par son peuple. Il est aimé. Le président se porte bien. Il se porte bien. Il est aimé. Il devait se rendre à Kisangani. Lors il y a commémoration à génocide, il y avait une communication et les Kaki
Et ça, c'est que mais la première, la population de la Tchopo à Kisangani, à Kokitana, pour inaugurer certaines de ces réalisations, les infrastructures à Salaki. Les présents se portent bien. Et voilà qui ça, que na Congo, Fachi, Balingaraï. Pour ma PC, 73%, c'est la preuve que Balingaraï. Balingaraï, même bateau, va critiquer Balingaraï. Pour ceux qui ont mon yété, président Zawapi, président Zomonanate. Il est là. T'as combien de cette émission? Programme Kinshasa Zobonga. Faut-il croire? Ah, maman. Kinshasa va bander la bison dans le slogan. Kinshasa Bopeto. Kinshasa Boe. Bumba Atika. Slogan. À travailler. Ayera va lobby. Menazomo naena. À Bumba, je vois l'incarnation de Kimbuta. L'incarnation de Ngobila. Comment? Nous risquerons de subir le pur plus qu'Ngobila, plus que Kimbuta avec Bumba. Mais c'est quand même un programme ambitieux. Il n'a pas encore commencé ou comment vous l'expliquez déjà? Mon frère, Kota l'est déjà Balindi Kola la Mingi. Nous on n'a pas besoin de gouverneur Moralalalalalabapongi. On n'a pas besoin. Hein? Il doit être un homme de terrain apte. Balakina est sérénité pour pas qu'on a liboulo. Ata kino mona commune à Kinshasa. Mais comment il est comme tout le monde, je ne sais pas, Bumba, la mouka, bakino balinga à bon côté. Hein? Koyamba la mouka, tiki, bureau, kouna, qui est loué, bureau, mouka privé, aligné d'Elix. Attends, bon, on a mis tout comme il tourne. Ce n'est pas ça. Bumba, tira, kola, la mouka, toko la moussae. La mouka, Bumba, la ksabuse, kosa, kino, moi, na kin, moi, na komi, na Kinshasa. Il y a le bien, à kolo, baye, belete, mais mouka, la mouka. Si kode, pas, bani, moussa, ni, on sa sali. Va investir gouvernement ça m'a dit. De pas bandi, Moussa Ninso Bumba Sali. Lorsque Moto Azali qui a changé ma cambarose la terre, va investir ça m'a dit. En plus, Azali peut un bureau, t'es mort à la bureau. Voilà. Si quoi, bureau, hôtel de ville, c'est tout, t'es dit bureau, y'a pas gouverneur. Bureau, gouverneur, toi, Koko, t'as fait quoi, t'as si quoi, y'a qui a bouki, bah bureau, qu'on a. Quoi, qu'on est reloué, bah bureau privé. Na misolo ya l'état Bumba tika via Lix. Oya kina Kinshasa te pour réaliser ba rêve na yo o fanda na botte de Lix à Kinshasa. Asa musala. Bumba so sa musala ba kino ba betele maboko. Tolembi ba gouverneur danseur à Talaku. Si côté na gouverneur moko lingi pongi Bumba foko tsele ba mbeto na bureau. Azola la même ya kotelema. Hein? Bumba sa musala. Kinshasa bana posa la mouka. Tika na babaze wana chaleur na ngwezo ezo apesho makamuzu. Zala na ba relax moko. Pe permettre o kitaka terrain. Bumba kitaka luka, kitaki seso, kita malueka, kita bwe. Tula ele ba problem ba population zani. Ko ba luka na vila ate na butu. Na boulevard de 30 juin. Kende kimbatseke, kende route se komaf. Yeba, qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? C'est ça c'est que le kinoave. Même vis ne Edi Yeli. Edi Yeli, Kinshasa zangi ringirite. Kinshasa est en irrité. Tu y es bien sacré. Et ça te que, aux acquis députés pour faire ce qu'on a pas pour. Soit comme un vice-gouverneur, tu as senti rioter. Il n'y a pas comme une abapongi le roi Bumba, Bumba la lissio. Bola mouka. Dans ce problème, on a dit que nous Gouf, Bola Mouka, Bumba na Ebi, Bola Mouka, Kinshasa c'est ça pour ça sentir bien. Le message est passé de Kodé donné Kaninda. Votre mot de la fin, message rapidement en 30 secondes. Que doit-on retenir de votre passage sur ces plateaux? C'est d'abord, il y a élection au Sénat. Les sénateurs ont interpellé dans la conscience. Ça, le choix judiciaire pour le choix pour réfléchir l'image de la chambre haute. Nous avons le Benjamin de la chambre haute, Moïse Ekombi, qui est candidat, questeur. Tolingi Mokolo Yamaponami, tout le monde a Moïse na questure. Batouana tout est, ils sont déjà certains dans les ménopauses politiques. Monsieur Bazawana, ils ont déjà été aux affaires. Non. Renouvellement classe politique fait ça la possible. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Parce que Batango, au Salina Kabila, au Sénat, tu sais que le premier mandat. Tu as deuxième mandat, maman, kakayo. Hein? Bah, Congolais, nous sommes. Bah, tout le Sénat, yo le gibon na maele. Nous devons aussi apprendre à quitter l'affaire avant que l'affaire nous quitte. Batika, bilenge, nouvelle énergie, bilongi asika, ndenge mokonza mboka na vision na e, alingi, a créé une nouvelle classe politique. Oui, c'est possible. Surtout na Sénat,
La nouvelle classe politique est possible. Nous allons avoir un bureau. Il y a Batumoko Boye, il y a Sika qui vont amener un vent nouveau. Nassien, il y a Sénat. Oui, quoi, là, qui ça a été bas sénateur. Vous savez, depuis le 20 janvier, toutes les institutions du pays sont installées. En commençant par l'institution présidente de la République. Il a été investi par la Cour constitutionnelle. Le Parlement, le bureau définitif de l'Assemblée nationale avait déjà été installé. Le gouvernement de Mama Judith Soumine avait été investi. Et Tikali Sénat. Batika Bamakamono soit République, faut et marcher. Donc, Bapé Sabiso bureau à Sénat. Mon condi à Sénat, mon tacocamba Sénat, et Zali Moto Boy. Ma sénateur, basa la choix, moro ya malamu. Balongo la biso image à Sénat, aux arrangements, ya chambre ya bariche. Ya bato à Kanyaka, na bato ba corrompa, ya ba corrupteur, na ba corrompi. Balongo la biso idéona, basa la choix, kitoko, na question, Moïse. Et combi longondo. Totondi obo tondi malamboka mdeko Daniel Kamboa matondo mingi. Merci beaucoup. Matondo mingi nabino bolandi biso toku dani prochainement. Nabi mama totika topesa botame lambu non honorable Jean-Marie Lukulasi, le père des opprimés, Nzambe abatelaye place azali abakisile ya mingi moto ya lembakate toujours na sima chef de l'état honorable Jean-Marie Lukulasi soki mokonza mboka a komi na batuloko lukula si 4 5 n'entourage na ye mayem sous bozo mono ya ba force du programme e aussi là parce que c'est un encadré, il s'est bien encadré la jeunesse les lazo sepela mukulu mbotama na ye honorable Jean-Marie Lukulasi. Joyeux anniversaire na ye, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire na honorable. Il paraît qu'il aura ba moyen mais mon sala ça a raté quoi. Ezali na cadre ya ONG na ye G24 abanda yango avant régime o ya Tshisekedi. ONG na ye G24 bandakala baida ba jeune belé na Kinshasa, na Poto, il y a même témoignage à Bilingue, bah na diaspora, bazol ba été leloso na zwa mukanda, leloso na koma ko sala na Poto, eza grâce ya honorable Jean-Marie Lukulasi, aza créateur d'emploi et puis azo pesa Bilingue, belé misala na ba formation surtout na programme asikaye na ngona G24 agroalimentaire pour na bilanga, pour na lutter contre l'insécurité alimentaire. Ton séparateur zo embarasse. Té mo konti azali, ali mo kolona ya mbotamate, pour ko pesa ye Botame la mouna honorable Jean-Marie Lukulasi. Merci beaucoup. Merci Ming Nabino Bolandibiso à travers le monde. Maton Domingue, tout le prochainement. Et Mbote Mingi, Inandekodan Zeng, Oazolandabiso. Et remariage Naye Ndekodan Zeng. Il nous manque déjà. Donc prenez votre temps. Prenez votre temps. On se retrouve très bientôt. Et de bonnes choses chez vous. Au revoir.